et la lune pile au milieu. J'ai trop mal dormi. J'étais pas dans un sac de couchage, j'étais dans un sac sarcophage. Donc, la ville, la montagne, et ben cette nuit, tu vois, j'ai complètement oublié cette rêverie sublimissime des hauteurs. À pas pouvoir dormir sous la tente, j'aurais bien rêvé d'un bon lit. Bon, on peut trouver un bon lit à la montagne aussi. Mais c'est ça, c'est le confort. Aujourd'hui, cabane de Latsa, qui est là-haut. Je fais juste attention de ne pas romanticiser ces espaces. La pointe de Latsa. Pourquoi je monte? Pourquoi je marche? Fais cet effort sans réfléchir. J'avais vraiment pas envie jusqu'à notre pause café. Au milieu, ça a bougé juste après. Maintenant j'ai envie. J'avais tout le long envie d'aller jusqu'en haut. J'aurais été déçu de ne pas y aller. Et maintenant je marche. Mais ça ne réfléchit plus. Ça avance. Ça regarde les pieds, le sol. Par moments, je jette un coup d'œil autour. Un coup d'œil d'extase à chaque fois. Descendre, c'est très très chiant. Ah, il y a des cailloux qui tombent. Ouais, la descente c'est chiant parce que ça tape dans les cuisses. Faut juste amortir. Et on a fait le tour par là pour aller boire une bière dans une yourte. Merci. Bah, une fois, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on n'a pas fait. Ouais, je pense qu'il y a complètement fondu dedans. Merde. Putain, je sais pas comment on va faire pour manger ça. Il est collé au plastique.